échelle, tout le monde autour de nous, l'échelle des valeurs, cela ne signifie pas que les valeurs n'existent pas, elles sont toujours actuelles. Et je crois que dans certaines communautés, les gens ont eu cette lumineuse idée de mettre en place des institutions. Les institutions qui sont fortes, d'une certaine manière, protègent un certain nombre de valeurs. Parce que je crois que la justice, ce n'est pas ce qui se passe dans notre pays. Il y a des pays où même le président est justiciable. S'il a commis un acte, c'est lui dans plusieurs démocraties, d'accord, vous pourrez tout lui tomber sur la tête. D'accord. Fabrice, est-ce que ce peuple a le droit d'être courageux vraiment, quelle que soit la raison, quelle que soit la situation, un peuple qui peut se libérer, un peuple qui dit je veux faire changer les choses, n'a pas le droit de se libérer. Prenons l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. En Algérie, le système n'a pas changé. Le système est toujours en place. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sacrifié quelques dettes. Puis c'est tout. Et les Algériens continuent. Les Algériens vont dire, finalement, ils sont en train de préparer une élection, il y a une dispersion des voix. Les Algériens vont chier de regarder, ça ne sert à rien. Non, les Algériens sont là parce qu'ils savent que le système est encore là. Les candidats qui sont là ne les représentent pas. Ils n'ont plus. En Algérie, je ne vois personne qui constitue chef de file. C'est un peuple qui, de façon individuelle, les gens s'indignent, les gens s'engagent, les gens veulent que ça change. Donc, le découragement, aucun peuple ne peut dire oui, je suis découragé parce que j'ai un externe de la personne. Je n'ai pas bien compris sa question. Quand elle parle de pauvreté, est-ce que c'était pour dire que les familles pauvres, c'est ça? Ah non, est-ce que c'est même pas notre frère? Est-ce que c'est même pas notre frère? Parce que. Bon, je pense qu'on avait déjà répondu. Sincèrement, ne pensez pas que dans les familles pauvres, il n'y a pas des valeurs. Et là, c'était plutôt un commentaire. Et là, il y a tout. Là, c'était une question. Je pense que. Madame Adiamago a répondu d'une certaine manière à votre question. Je voudrais revenir sur certaines choses qu'elle a dit qui sont réelles. Il ne s'agit pas de se décourager parce que des responsables politiques ont eu une attitude ou un comportement que vous n'acceptez pas. J'entendais aussi souvent des adultes, des gens qui suivent, même vous avez besoin de vous, de toute façon. Les politiques là, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça, ils ne savent pas faire, etc. etc. Et moi, je leur dis, c'est les universitaires en fait qui le disent. Qu'est-ce qui vous empêche de vous engager à l'entreprise? Si vous estimez que vous avez le bagage intellectuel, que ceux qui sont là n'ont pas le bagage parce qu'ils présentent la chose telle qu'elle. Si vous estimez qu'ils n'ont pas le bagage, mais la nature a horreur du vous avez laissé la place, les gens ont eu le courage de couper cette place. Si vous estimez que vous avez plus de matière et plus de capacité de réflexion pour apporter des solutions. Allez, c'est tout le monde qui vient. Il ne s'agit pas de rester quoi dans son coin, pleureux dans son coin et de dire c'est lui qui fait très mal. D'accord. Il faut prendre sa responsabilité. C'est en faisant qu'on se comprend. Si tu ne fais rien, tu ne risques certainement pas de te comprendre. Il faut avoir le courage de faire. Donc, si tu estimes que ceux qui sont en train de faire font mal, prends la parole et dis ce que tu as dit. Et pour apaiser un peu ton cœur, ce n'est pas parce qu'on voit une situation qui donne l'impression aujourd'hui qu'il y a une certaine distorsion que cela signifie que le moment venu, cette politique ne se prendra jamais ensemble. D'accord? Sache que si toi tu interviens, comme elle a dit, si le peuple intervient d'une manière ou d'une autre, on peut imposer par la volonté du peuple cette cause. Le premier responsable. Au moins qu'il y ait mise en commun d'un certain nombre de forces, d'un certain nombre de ressources pour que l'on puisse